Nous venons de terminer une table ronde avec plusieurs soignants, plusieurs professionnels de la santé qui agissent sur le territoire de notre deuxième circonscription. Avec eux, nous avons une discussion très riche qui fait des constats qui nous amènent à des réflexions et à des besoins d'agir qui sont fondamentaux. Je cède la parole à Claudia Châtelut, le docteur Châtelut, qui est ma référente santé. Bonjour, Claudia Châtelut, je suis médecin urgentiste et référente santé pour le candidat aux législatives de la deuxième circonscription Uberhotte. Nous avons aujourd'hui réalisé une table ronde où nous avons réuni un certain nombre de personnes représentatives du monde de la santé au niveau local, au niveau libéral et au niveau hospitalier pour une discussion sur les problématiques de la santé. Aujourd'hui, il y a plusieurs problématiques urgentes à régler au niveau de la santé, que ce soit au niveau du rural, du libéral, à rendre des professions plus attractives, arriver à trouver des prestataires auxiliaires de vie en nombre suffisant pour que nos infirmières n'aient pas une tâche trop importante. Il faut qu'on arrive à tisser du lien entre la ville et l'hôpital. Et il faut qu'au niveau de l'hôpital, par exemple, on règle le problème de l'attractivité. Il faut qu'il y ait plus de personnel. Aujourd'hui, il y a un manque cruel de personnel parce que la profession est en souffrance, parce que les services sont très cloisonnés, parce qu'il n'y a pas assez de fluidité. Il faut qu'on puisse réinventer l'hôpital de demain en coordination avec le libéral et le rural. Et pour ça, je soutiens la candidature d'Uber. Et je le remercie de nous avoir écoutés autour de cette table ronde. Les constats de Claudia sont clairs. Ils imposent que nous agissions rapidement, de façon précise, de façon adaptée à ces réalités qui sont graves. Élu député, j'agirai avec énormément d'enthousiasme, de volonté pour aboutir, pour faire en sorte que la santé publique redevienne une priorité absolue dans le mandat qui s'ouvre. Merci.